Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 4 avec l'invasion du Japon que je vais lancer maintenant. Alors là, il y a une bataille navale, mais a priori, elle ne me concerne pas. Bon, je pense que c'est parti. Mes avions sont là, mes navires sont là, donc on est parti. Je pense qu'il va y avoir de la défense sur Okinawa. Donc on sera peut-être obligé de s'y reprendre à deux fois. Ouais, déjà c'est mal barré, j'en ai vu là. Donc ça, ça m'inquiète un peu parce que je crois pas qu'on sera vraiment à la hauteur. On va voir. Faudrait que j'améliore mes débarquements aussi. Oh, j'ai coulé un porte-avions japonais. Un sous-marin. Ah, il est tout seul là, elle est toute seule cette unité. Mais du coup, ça va pas le faire. Alors, priorité à la marine. Ça va nous donner de l'expérience, des bases navales. Ok, et après, on a, à mon avis, les bonus sur les sciences. Alors, les porte-avions, les navires d'escorte. Honnêtement, je ferais plutôt la réduction sur les deux modèles de porte-avions. Ouais, ça m'intéresse plus, en fait. Ouais, pourquoi pas. Bon, là, c'est dommage parce que je l'ai vu passer au jaune tout à l'heure, mais... Et est-ce qu'on peut pas en préparer un deuxième dans la foulée? Non, on peut en préparer qu'un par base navale. Du coup... Ça m'embête un peu. Si, je peux faire ça. Mais est-ce que je peux y affecter les troupes? C'est ça le problème. Ouais, si ça marche. Ça marche pas justement, donc il va falloir que je sélectionne encore 3 troupes. Ouais, 3 ça a l'air d'être le tarif maximum. Ouais, bon. Ça va être compliqué Okinawa. Hein. Là, je pense pas que ça passe. Pourtant, j'ai tous les bonus que je peux avoir. Hein. J'ai le soutien aérien. J'ai la supériorité aérienne. Mais il faudrait un miracle pour que ça passe. C'est bête parce que peut-être que 4 unités passaient, mais je peux pas en envoyer 4, je sais pas pourquoi. C'est quand même bien dommage. Et je peux pas avoir un meilleur général que 6. Ceci dit, on va échouer, mais de peu. Hein. Parce que... Il est plus qu'à 7. Je suis à 11 un peu partout. Merde. Oh là là. Ça, c'est chaud. Heureusement, j'ai des avions en soutien. Et merde, j'ai perdu un transporteur. Putain, il lui reste pas grand-chose. Hein. Ça s'est joué à rien du tout. Oh non, on a gagné. Sérieux, on a gagné. Vite. Vite. Ça s'est joué, je devais être quasiment à 0. Et j'ai perdu 0 troupes malgré la bataille navale, donc je m'en sors très très bien quand même là. Ah, un sous-marin japonais de coulé. Ça a l'air d'être leur truc les sous-marins. Bah oui, forcément, de toute façon. Et merde. Donc là, on va peut-être avoir des problèmes. Faut absolument qu'on amène des renforts. Merde, ça suffit pas. Sérieux, ça suffit pas alors qu'on a... On a tout pour nous, si c'est bon, on va s'en sortir. Je risque quand même de perdre des unités dans l'affaire. Non.
Je devrais contre-attaquer tout de suite parce qu'il est à 0 là d'organisation. Donc lui par contre il va souffrir. Voilà. On va continuer à le rejeter un peu plus loin. On va faire toutes les petites îles là pour s'en débarrasser. C'est tendu quand même. Hein. J'ai encore failli perdre une unité là. J'ai rien gagné sur cette province. Par contre j'ai peut-être achevé des navires là. Ouais. Honnêtement les navires je sais jamais trop quoi faire. J'ai pas beaucoup de croiseurs légers. Ouais, je pense que j'ai pas mal de destroyers. On va faire plutôt du croiseur léger. Le seul problème, c'est qu'ils sont pas très modernes, quoi. Oh, remarque, c'est le niveau 2. On va mettre flotte de haute mer. Ok. Il manque toujours un de pétrole, c'est ça? 9? Ah non, ça a augmenté, là. Peut-être que je suis enfin en train de tout réparer là. Ah bah c'est cool, j'ai plus qu'une page. Ça veut dire que j'ai quand même beaucoup réparé. Hein, parce qu'avant j'avais au moins 3-4 pages. Donc je vais bientôt pouvoir me lancer dans la construction d'usines par exemple. Ce sera plutôt cool. Ok, donc là je vais continuer à avancer. On va avancer avec tout le monde. Parce que je pense qu'il va y avoir quand même des combats pour chasser les Japonais, ouais. En plus, ils ont une bonne position défensive, forcément. Ah, il y a une pénalité navale en plus. Donc ça va peut-être être un peu compliqué. Mais il faut que je les chasse d'ici. Putain, ça va être compliqué. Ils perdent pas beaucoup. Pour l'instant, je vais les laisser là. Hein. Je m'en fous un peu. On va supprimer ça. À mon avis, ils sont pas prêts de revenir là. Et on va passer 204 avions allemands. Putain. Ouais, ceci dit, là, il y a une base aérienne. Je vais prendre 600 chasseurs. Non. Ok. Ah bah, tout de suite. Ah, par contre, s'il m'attaque, c'est très très bien. Il va se retrouver à 0 d'organisation. Parfait. Et on va pouvoir l'attaquer par derrière. Voilà. Bon, bah, comme ça résout mon problème. Là, normalement, on devrait l'avoir. Donc là, ça m'inquiète un peu quand même, c'est tous ces chasseurs allemands. Ces bombardiers, pardon, allemands. Là, on va le détruire, hein. C'est juste que l'ordinateur est un peu chiant à faire ça, mais... Ah, c'est parce qu'il y avait deux unités. Bon, c'est pareil, on va les avoir à l'usure, là. Il va se retrouver à 0 d'organisation. Et on va lui détruire son unité. Ok, c'est parti. Bah en fait, mes troupes continuent à avancer. Voilà. Ok, bon, bah c'est compliqué, ne serait-ce que pour une petite île. Alors, je vais détruire ça. Merde. Je pense qu'il va falloir qu'on organise deux débarquements pareils. Sur Nagasaki. Ok, mon armée est arrivée. Elle a pas d'attrition là où elle est, donc ça me va. Eux, du coup, ils ont... Qu'est-ce qui... Non, eux, ça sert à rien. On va changer d'objectif. D'abord 3, 5 ça sert à rien, ils peuvent se battre qu'à 3, ils peuvent débarquer qu'à 3 a priori. Donc on va les faire venir ici. Eux pareil. Alors, est-ce qu'on...
Ouais, on va se mettre dans cette zone-là, mais on est déjà pas mal dans la zone, sauf que c'est beaucoup de rouge. Je pense qu'eux seront beaucoup mieux en fait, ouais, ils sont jaunes, c'est déjà mieux. Ah, je pense qu'on va... Alors, infanterie anti-char, ça c'est cool. Par contre, si on peut continuer... Anti-char encore... Putain, il m'a coulé un... Et ce que je comprends pas, c'est que... mon aviation participe pas à la bataille, en fait. Et ça, c'est très énervant. Ouais, j'ai quand même l'impression que je lui en... Je suis en zigouille, mais... Je sais pas. Et pendant ce temps-là, il est quand même en train de... se faire ma flotte. Je sais pas, j'ai quand même une... largement la supériorité aérienne, mais... ça a l'air d'avoir un effet très très réduit, quand même. Il y a quand même un truc qui m'interpelle. Si c'est bon, 20-25, ok. Par contre, c'est pas forcément les meilleurs chasseurs embarqués du monde. Je suis en train d'en fabriquer des meilleurs, je crois, mais... Je sais pas combien j'en fabrique par jour. J'en fabrique un par semaine. J'espère qu'ils sont utilisés, les meilleurs, plutôt que les vieux modèles. Ouais, je pense qu'ils sont utilisés parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup en stock. Donc ils doivent être remplacés au fur et à mesure, j'imagine. Bon. Donc eux, ils doivent arriver. Pourquoi ils viennent pas? Je leur ai dit de venir pourtant. J'avais peut-être pas tout sélectionné. En tout cas, eux, ils vont débarquer de ici. Sur Nagasaki. Ok. Eux aussi. De ici à ici. Trois divisions, ça marche. Trois divisions, ça marche. Ok. Je peux pas. J'ai pas plus de ports, donc les autres sont trop loin à mon avis. Eux, faut que je les réaffecte à cette armée. Alors, eux, 21 jours. Eux, 21 jours aussi. Pourquoi il veut pas, lui? Ah, les divisions sont pas encore arrivées, donc ça va pas tarder. Elles arrivent, doucement mais sûrement. Ah, eux, ils essayent toujours de me faire rejoindre leur foutue faction, mais j'en veux pas de sa faction. Ah, il y a eu des dégâts, a priori. Singapour. Bon, c'est pas très grave. Je manque toujours de chars moyens. Par contre, les armes légères, faudrait vraiment que j'arrête. C'est pas la peine de stocker à l'infini. C'est pas comme avec l'Italie où je pouvais toujours donner à mes alliés quand ils en manquaient. Là, j'ai pas d'alliés, donc... on va tout simplement arrêter cette ligne. Je vais rajouter ça un peu aux chars moyens. Faudrait presque que je fasse une autre ligne de chars moyens, en fait. Char moyen 2. Peut-être pas beaucoup. Comme ça. Et l'autre, ça va aller pour les chasseurs. Je vais faire une autre ligne de chasseurs. Qui pour l'instant ne va pas du tout être produite. Mais ça viendra doucement mais sûrement. Du coup, ça a un petit peu perturbé ma production. Là j'ai un surplus, là j'ai un surplus, surplus, surplus et surplus. Le problème c'est vraiment le pétrole. Malheureusement je suis pas prêt de le résoudre ce problème. Ok. Alors combien de jours avant l'invasion? 7 jours. Il y a encore des divisions qui sont pas arrivées là. Ah, elles arrivent. Ça m'énerve ces combats en mer de Chine là, qui durent 30 secondes et s'arrêtent. Je sais pas du tout. Tiens, là.
Ah, j'ai coulé un sous-marin. Il lui en reste quand même pas mal, mine de rien. Bon, bah, on va attendre patiemment que... 10 jours, on va attendre. Hein. Merde, j'arrive pas à faire pause à temps. J'ai deux de réflexe quand même. Bon, un de pétrole, on va laisser tomber pour l'instant. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des usines militaires hein, quand j'aurai dégagé un peu de production. J'ai largement assez d'industrie, je crois, pour faire des usines militaires. Derrière, j'ai largement assez de ressources, pardon. Ah, il a plus que 17 sous-marins. Ça devient bon. Tiens. Eh merde, j'ai pas réussi. J'arrive pas à cliquer dessus. C'est des. J'aimerais bien savoir pourquoi ces batailles ne durent pas. Bah non, en fait, je peux même pas cliquer dessus, quoi. C'est juste impossible. Quand je fais pause, elles disparaissent. Donc, d'accord. Ah, plus que 16. Je pense que je sais pas si c'est pas la fin de sa flotte tout simplement. Il a dû tout perdre face aux Anglais et aux Américains d'ailleurs. Parce que là, je trouve assez pitoyable avec ses. Tiens, là j'ai réussi à l'avoir. Oui, c'est quand même un gros là. Je surveille. Bon, peu importe. 2 jours. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. 2 jours et 2 jours, ok. Et là, pour le coup, c'est vraiment le Japon, donc... On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai encore peut-être coulé un sous-marin. Ouais, plus que 15. Priorité au porte-avions. Donc là, on va faire les doctrines navales, peut-être. Tiens. Ça, c'est les sous-marins japonais, je crois. C'est bien, c'est qu'on les voit, mais on les attaque pas, c'est pas cool. Ok, donc là, je vais être prêt. D'accord, donc celui qu'il faut que je lance avant tout... Oh, ça, par contre, c'est une bonne pioche. J'aurais préféré avoir le porte-avions, mais c'est quand même bien. Celui qu'il faut que je lance en priorité, je pense, c'est... Celui-là qui est un petit peu plus loin. On va le laisser prendre un peu d'avance. À peu près ici, je pense. Pour que les deux attaques soient parfaitement coordonnées. Encore un peu. Un sous-marin de moins. Ok, là c'est bon, je pense. Je peux lancer la deuxième. Ok, c'est parti. Elle sera un peu en retard, mais enfin bon, il s'agit pas non plus d'être là à la même seconde. Ça aurait été bien, ceci dit, mais bon, tant pis, j'ai pas bien calculé mon coup. Oh, j'ai peur qu'il y ait du monde. Donc ça, c'est bombardier naval. On est en 44, c'est un peu trop tôt. On va pouvoir passer à autre chose. Efficacité des soutiens. Ah putain, ils sont combien, là ? 14 divisions, ouais, c'est même pas la peine. Il va falloir trouver une autre façon. Ah bordel. Ah comment on fait 14 divisions. C'est juste impossible quoi. Ouais, c'est sûr qu'on est en train de perdre. On peut pas annuler les débarquements, je crois pas. Hein. J'ai déjà essayé, mais... Là, ça va être un massacre. Aucune chance de réussite, évidemment. Merde, alors.
En plus, on va se faire attaquer. Ah. Ça doit être les nouveaux destroyers, je crois. Ouais. On va partir sur du niveau 3. Bon, bah c'est quand même bien embêtant. J'ai même pas entamé leur organisation là. C'est une catastrophe. Et je crois que j'ai perdu mes unités tout simplement. Putain, elles se sont fait couler. Que font les patrouilleurs quoi? Les mecs, il y a un débarquement, mais ils vont certainement pas patrouiller là où il y a le débarquement. Ils risqueraient de se faire mal. N'importe quoi ce jeu quand même. Les mecs, ils sont hors de patrouiller dans la mer de Chine. Il y a un débarquement, mais ça leur ferait mal aux fesses d'y aller quoi. Fallait que je me mette dans la zone, mais enfin bon, je pense que quand on leur donne un ordre de patrouille, c'est assez clair quoi. Ah, ça me saoule. Putain, 3 divisions de perdu quoi, j'en ai déjà pas beaucoup. Bon. Et le problème reste que pour avoir une paix contre l'Axe, il faut que je prenne le Japon quoi, donc je sais pas comment je vais faire. Je ne sais absolument pas comment je vais faire. J'aimerais bien me débarrasser de ce porte-avions, honnêtement. Je pourrais essayer de débarquer dans un autre port. Mais à mon avis, on aura le même problème. Non. Merde, je me suis gouré. On va patrouiller ici. Lui va plutôt patrouiller ici. On va recréer une armée. On va créer un débarquement cette fois d'ici à ici. Merde, c'est quoi ce délire? C'est pas ça que je voulais faire. Ah, je suis bien embêté là quand même. J'essaie de voir comment je peux résoudre mon problème, mais pas trop de solutions. Hein. Il y avait 14 divisions, c'est ça? Ça paraît beaucoup quand même. Il faudrait que les alliés se décide à faire la même chose que moi. Ok. Je sais pas combien il y en a, mais c'est pas bien parti en tout cas. Et là, j'ai peur qu'il y ait un peu trop de bataille à mon goût. Il y a des avions japonais, il y a des avions chinois. Il faut vraiment qu'on coule tout ça. Il n'y a pas eu de rapport de bataille, ça veut dire qu'on n'a rien coulé, grosso modo. Bon, bah je vais m'arrêter ici. Je suis bien embêté, hein, parce que si je veux finir la guerre, il faut prendre le Japon. Mais si j'ai pas de solution, je pourrais prendre Hiroshima et puis tenter un débarquement ailleurs, du coup. Et là, j'aimerais bien qu'on coule ces foutus sous-marins. On n'est peut-être pas très fort en détection des sous-marins. Je sais pas ce que ça donne à chaque fois. Ma flotte est quand même en bon état, hein. Ouais, elle a pas trop souffert. Peut-être quelques destroyers à droite à gauche, mais en règle générale, elle est quand même pas mal. Bon, honnêtement, là, je suis un peu dans la mouise.
Je ne sais pas quoi faire, très honnêtement. Bon, on verra. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.